going top quick. I'll be rolling soon. Oh, yeah. I'm going, dude. This side, let's hop to this side. It was really good, for sure. It was a lot of pressure on the start because you know, it's all the work of the team behind this project, and now I'm the only one who can make a mistake or break it. So we had a pressure, but since the start of the test, the feeling with the car is really good. So I was concentrated on my drive. I had a very good drive, no mistakes, pushing hard, good feeling. So for sure, I'm really satisfied to reach the top at first without any mistake, and I think the time is really good. Et ben, je dirais que c'est clair que c'est déjà une grosse satisfaction d'arriver ici en haut. Beaucoup de travail derrière ce projet, avec toute une équipe, beaucoup de monde qui prépare une course qui se joue sur une montée, monte à 4300 mètres, avec une voiture incroyable. Donc il y a forcément une grosse pression au départ. On sait que d'une part il y a le risque parce que ça va très très vite, d'autre part il y a la pression d'avoir envie d'aller au bout du projet et de ne pas être celui qui casse tout. Donc voilà, et donc ça a été un grand plaisir quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Une grande satisfaction parce qu'en plus le feeling avec la voiture était top. J'ai vraiment attaqué et je pense que c'est un beau record. I said to Seb, okay, you are going to do 8:13, but he told me, hey man, it's very difficult to put everything together. It's very tough, but he did it. He's just exceptional on the car. He's a rocket. Oui, le chrono est exceptionnel parce que clairement c'est la somme, c'est le temps idéal qu'on pouvait faire en additionnant tous les secteurs qu'on avait fait au préalable sur les essais. Durant la semaine. On s'était dit d'ailleurs avec Seb, je lui avais dit le temps idéal ça doit être 8:13, il m'avait dit attends, c'est super difficile de mettre tout bout à bout, là je donne tout à fond, donc ça sera sûrement un petit peu plus, mais on peut constater qu'il a fait plus que le maximum et il a vraiment réalisé ce temps idéal, c'est franchement exceptionnel, un pilote exceptionnel au volant de la 208 T16 Paxpeak qui n'est rien d'autre qu'une fusée. Là. The draw of the Pikes Peak International Hill Climb is the unique atmosphere that we've got. Again, 14,000 feet is where we end our race. We start at 9,000, so you've got almost 5,000 feet of elevation gain in just over 12 and a half miles. Crazy steep grades, 156 turns, beautiful scenery. Can't match it in the world. For many, many years, Pikes Peak was an all-dirt course. In the early 2000s, a paving project on Pikes Peak started. It took several years to complete, so 2012 was the first year that we ran on a fully asphalt course after running several years on a mixture of gravel and dirt, so the cars had to be set up to handle both. Last year we got to see cars come in a little more dialed in for asphalt racing. We saw some great times and some records really fell. 2013 is offering a little bit more of that. We've seen some teams learned a lot from 2012 and they've really dialed it in
times are fantastic. They're going to fall. Records are going to be great. This is going to be a banner year on Pikes Peak.